Une famille a investi 30 000 euros à un taux de 1,5% pour en vivre pendant 10 ans. Question, quelle est la somme mise à sa disposition à la fin de chaque année? Comme il s'agit ici de rente annuelle, nous pouvons appliquer cette formule-là, mais attention, ici il y a un moins. Il s'agit bien de rente annuelle et non pas d'annuité. Commençons par rédiger tout ce qui est donné et tout ce qui est demandé. Donné est le capital de départ, c'est 30 000 euros. On nous donne aussi le pourcentage, donc petit p vaut 1,5. On nous dit le nombre d'années, c'est 10, donc petit n est égal à 10. Et on nous donne aussi le capital final qui est égal à 0 euros. Ce qui est demandé, c'est la rente annuelle grand R. D'abord, nous calculons ce nombre Q, le facteur d'intérêt, qui est égal à 1 plus P pour 100. Donc, ce nombre Q est égal à 1 plus 1,5 divisé par 100. 1,5 divisé par 100, ça fait 0,015. Plus 1, ça fait 1,015. Si, dans cette formule-là, nous remplaçons le CN par 0, le C0 par 30 000, le Q là, là et là par 1,015, le N là et là par 10, alors nous tombons sur cette équation-là, dans laquelle l'inconnu, c'est le nombre R, ce que nous cherchons. Ce terme-là, pourvu d'un moins, on va le mettre de l'autre côté du signe d'égalité, où il sera muni du plus. Maintenant, ce facteur-là qui multiplie à gauche, on va le mettre à droite où il va diviser, et ce nombre-là qui divise à gauche, on va le mettre à droite où il va multiplier. Ainsi, nous tombons sur ce calcul-là. Calcul que nous introduisons dans la calculette, donc 30 000 fois 1,015 exposant 10. Maintenant, une fois, touche curseur vers la droite pour quitter l'exposant, et puis fois, fraction, 1,015 moins 1. Maintenant, une fois touche curseur vers le bas pour arriver au dénominateur qui est 1,015 exposant 10. Une fois touche curseur vers la droite pour quitter l'exposant, moins 1 égale, la calculette trouve 3253,03. Réponse que nous reportons ici et que nous exprimons bien sûr en euros. Et voilà, la tâche est déjà terminée.